أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدور عباده بنور الإسلام ويهديهم إلى نور الإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا يزال أهل المغرب زاهدين على الحق حتى تقوم الساعة وبعد On va faire inchallah une petite vidéo pour montrer un peu les fondements de la tariqa karkaïa, de la tariqa Mohammadiya Fawzawiya karkaïa, et montrer en fait que les fondements de cette tariqa sont exactement les mêmes que les fondements qu'avaient adopté les chouyours du tasawuf d'avant. Donc les chouyours, plus exactement les chouyours de la tariqa Shaziliya. Parce qu'effectivement, comme Allah l'a dit dans le Coran, Sunnatullahi wa la badala li sunnatillahi. Donc la voix d'Allah, elle ne change pas. Donc de la même manière, la voix des gens du tasawuf et la voix des gens qui sont amenés à guider les gens vers Allah ne change pas. Donc on reste toujours sur les mêmes fondements. Donc les fondements de notre tariqa Mohammadiyya, Fawzawiyya, Karkaïya sont au nombre de sept. Il y a tout d'abord la baya avec le cheikh. Ensuite, il y a le port de la muraka. Ensuite, le port de la subha autour du cou. Ensuite, il y a la hadara, le zikr par le ism al-mufrad. Ensuite, la khulwa et enfin, le sir. Donc, on va essayer, inshallah, de montrer que chacun de ces fondements de notre tariqa se retrouve dans les fondements qu'avaient adopté les chouyours de la chaziliya d'avant. D'abord, par rapport à la baya. La baya, effectivement, est donc le pacte que passe le mourid avec son cheikh. Un pacte qui en fait est un pacte donnant-donnant si on veut. Le mourid d'abord, il s'engage à obéir à son cheikh dans toutes les recommandations qu'il lui donne, alors que le cheikh lui s'engage en contrepartie à le mener vers Allah. Donc pour qu'une baya soit vraiment, disons, sahih, pour qu'une baya soit valide, il faut d'abord que le cheikh puisse mener la personne vers Allah. Un cheikh qui donc ne pourrait pas mener son mourid vers Allah, cette baya serait tout simplement invalide et serait nulle et non avenue. Donc c'est pourquoi on retrouve dans les qasaïdes de Sayyidina Cheikh Al-Alaoui, il parle beaucoup du fait de ce qu'est vraiment le Cheikh Al-Murabbi. Ce qu'est le Cheikh Murabbi qui est donc capable de mener le mourid vers Allah. Comment est-ce que le Cheikh peut mener le mourid vers Allah? Tout simplement en lui donnant la lumière de la foi. Car comme le hadith connu du prophète l'a dit, alayhi salatu wasalam, la foi est une lumière qu'Allah jette dans le cœur de son serviteur croyant et qui augmente ou baisse selon les actes pieux. Donc le cheikh doit pouvoir transmettre à son mourid cette lumière de la foi qui le mènera petit à petit vers la connaissance d'Allah. Donc, quand on regarde les paroles des anciens chouyours, comme Cheikh Abul Abbas Al-Moussi, qui nous dit qu'en fait, il est plus difficile pour la personne de connaître Allah que de connaître le cheikh. La connaissance du cheikh est donc plus difficile que la connaissance d'Allah. Pourquoi? Parce que le cheikh est quelqu'un qui est caché au milieu des gens. Alors que si on a trouvé le bon cheikh, la connaissance d'Allah devient bien plus facile et devient plus aisée. Donc, il faut que le cheikh, pour montrer qu'il est vraiment un cheikh, donne une preuve à son mourid dès la baya, qu'il lui montre dès le début qu'il est vraiment un cheikh murabbi. Et donc, comment est-ce qu'il peut montrer cela? Tout simplement en lui transmettant la lumière de la foi. Comme le dit Cheikh Al-Alaoui dans son diwan, « Walana min nuri haq nurna ala nur ». Donc, il dit, on a d'Allah, tout simplement, une lumière sur lumière. C'est-à-dire le cheikh lui-même, il est lumière sur lumière et il doit donner à son mourid dès le début une preuve que c'est un cheikh. Donc c'est pourquoi Cheikh Al-Alaoui, il dit plus tard, plus bas dans son qasida, il dit celui qui ne profite pas à son mourid dès le premier regard, eh bien il n'est tout simplement qu'un ignorant. Donc le deuxième fondement de notre tariqa est bien sûr le port de la muraqa, c'est-à-dire l'habit rabiessé, qu'on appelle communément la darbala. La muraqa fait partie effectivement d'abord de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et de la sunna des salafs, puisqu'il est rapporté que le prophète alayhi salatu wasalam, il est mort dans un habit qui était rapiécé, qu'on appelle mulabbada,
Et donc on peut retrouver que ce hadith est d'ailleurs rapporté dans le Sahih Bukhari, pour ceux qui auraient des doutes. Et au commentaire de ce hadith, Ibn Hajar al-Asqalani, qui est donc l'auteur du commentaire le plus, disons, le meilleur commentaire du Sahih Bukhari, il dit effectivement que Al-Mulabbad, c'est un habit qui est rapiécé, qui est fait avec plusieurs tissus différents. Donc cette derba-là est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est pourquoi les soufis l'ont adopté. Et on peut retrouver que le cheikh Moulay Al-Arabi Ad-Darqawi dit dans ses rasaïl qu'effectivement le port de la muraqqa fait partie des fondements de la voie du qawm, c'est-à-dire le qawm ça signifie les gens de tasawuf. Donc le port de la muraqqa est un fondement du tasawuf. Donc on voit que notre cher Sid Mohamed Fawz Al-Kalkali n'a fait que reprendre tout simplement les fondements qui étaient communément admis chez les soufis d'avant. Le troisième fondement de notre tariqa est le fait de porter la subha autour du cou. Donc le port de cette subha a bien sûr une signification. Par exemple, on sait que le soldat qui part en guerre ne peut pas se séparer de son arme. Où qu'il aille, il aura son arme sur lui, c'est-à-dire son sabre. De même, le mourid qui est entré dans la voie du tasawuf a comme objectif de combattre son nafs. Et comment combattre son nafs si ce n'est pas le zikr d'Allah, jusqu'à ce que effectivement le cœur soit débarrassé de toutes les ténèbres, qui habitent, pour au contraire y installer les lumières d'Allah. Donc l'instrument de ce combat pour le mourid, c'est la subha. Donc la subha est l'instrument du mourid et il ne peut pas s'en séparer. C'est pourquoi il le met à l'endroit le plus sacré pour lui, c'est-à-dire autour de son cou, tout juste près de sa veine jugulaire, comme Allah a dit. Il est plus près de vous que sa veine jugulaire. Et donc, on trouve que Cheikh Al-Alawi, en racontant la biographie de son cher Sidi Mohamed Al-Bouzidi, nous dit qu'il a eu une fois une vision du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans cette vision du prophète alayhi salatu wassalam, il a vu plein de mourides qu'il avait et qui portaient tous cette subha autour du cou. Donc, il en a déduit effectivement que bientôt, il reprendrait son enseignement et que sa tariqa serait répandue. Pour montrer juste que, quand on regarde, les soufis ont toujours eu le fait, ont toujours adopté le fait d'avoir une soufra autour du cou. L'autre fondement de notre tariqa est le fait de faire le zikr par l'ism al-mufrad, c'est-à-dire l'ism Allah. Ce zikr par l'ism Allah est en fait une particularité du khatm de chaque siècle. Le khatm de chaque siècle, quand il vient, effectivement, quand Allah le fait apparaître, c'est pour conduire les gens, par le zikr du ism Allah, le conduire donc à la ma'rifa. Donc, Moulay Al-Arabi Ad-Darqawi nous dit toujours encore dans ses rasaïl qu'effectivement, le fait de faire le zikr avec le nom Allah est le moyen le plus rapide d'accéder à Allah, tout simplement. Donc, quand on voit que tous les khatms qui ont précédé notre cher, c'est-à-dire par exemple Moulay Al-Arabi Ad-Darqawi ou bien Cheikh Al-Alawi, ils ont toujours eu ces fondements dans le tariqa, c'est-à-dire de systématiquement faire donner à leur mourid le fait de faire le zikr par l'ism al-mufrad. L'autre fondement dans le tariqa est la khulwa. La khulwa, en fait, c'est quand le mourid a passé certaines étapes, eh bien le cher lui demande de s'isoler de tout. De sa famille, de s'isoler de son argent et du monde, tout simplement, pour se concentrer exclusivement sur Allah. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment quelques jours que le mourid, il passe dans le zikr d'Allah pour se rapprocher de lui. Et la khulwa est donc un fondement de notre tariqa, parce que la khulwa est le moyen, tout simplement, de tourner le serviteur vers Allah. Et notre cher Ahmed Al-Zarouk nous dit donc dans Qawaid al-Tasawuf, eh bien, il nous dit tout simplement que la khulwa est le moyen le plus rapide et le meilleur pour que le mourid débarrasse son cœur de toutes les ténèbres qui existent et à la place mette les lumières d'Allah. Donc, on voit ici encore que notre cher Sidi Mohamed Fawzi Al-Kalkali n'a fait que reprendre les fondements qui sont restés inchangeables et inchangés dans la voie des gens d'Allah. Et donc le dernier fondement de notre tariqa est le sirr. Le sirr aussi, donc, qui serait difficile à expliquer actuellement. Inch'Allah, il y aura d'autres explications sur le sirr. On va juste dire ce que
le sir, effectivement, est une chose, est un gage que doit donner le cheikh à son mouride. Si le cheikh al-Alawi dit dans son diwan que celui qui ne donne pas à son mouride le sir, eh bien, il n'a même pas à être cheikh, tout simplement. Puisque le cheikh, effectivement, quand on le suit, quand on est dans la soubha d'un cheikh, c'est bien sûr pour accéder à la ma'rifa. Le cheikh qui ne peut pas, qui donc lui-même n'aurait pas de sir, ou ne pourrait pas transmettre de sir, n'a absolument aucune utilité. Donc le sir est donc un fondement de la tariqa. Pourquoi? Parce que notre cheikh, bon, il faut déjà voir que là, c'est vraiment un gage que donne le cheikh, puisque celui qui fait de l'obtention du sir un fondement de sa tariqa, c'est-à-dire qu'il s'engage à faire accéder le mourid à la ma'rifa. Puisque le sir, effectivement, c'est tout simplement la ma'rifa d'Allah. Donc celui qui a mis le confondement de son tariqa, le fait d'accéder à la ma'rifa, a forcément une autorisation divine qui est très grande. Donc on voulait juste rappeler ces fondements de cette tariqa à la lumière des enseignements qu'ont donné les chouyours de la chaise d'Iliya, pour montrer en fait que notre tariqa s'inscrivait tout simplement dans la lignée des chouyours d'avant. Subhanallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, Allahumma ighfir lana wa barik lana fi shaykhina واجعلنا مستمسكين به وابعثنا معه يوم القيامة متكئين على سرر مصفوفة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.